Où est-ce que vous êtes allé chercher ces photos? I love this. I can do this the whole day. Ça, c'est Tours. Ouais. Ah, c'est Tours. C'est la Loire. Donc, ma ville de naissance. Ville où j'ai fait mes premières... pas mes premières classes en tant que footballeur, mais pas mal de classes importantes. Je joue à Tours, Chambrais-les-Tours. Donc, je suis un enfant au-delà de Tours, de la région, du département et de la région. Donc, la région des châteaux, que de bons souvenirs. On vous connaîtrait pas, mais que ce soit Jouer-les-Tours, Sanitas, Rive-du-Cher, je fais presque tous les quartiers de Tours. Et je me rappelle qu'à l'époque, le Tours FC, ou le club où je jouais, avait mis une navette qui passait dans toute la ville, qui récupérait les gamins et qui les emmenait à l'entraînement, puis les ramenait à la fin. Et donc moi, j'étais le premier garçon, le plus grand. Il y avait mon petit frère qui me suivait partout, et aussi au foot. Donc j'étais chargé de lui tenir la main entre la maison et l'arrêt de bus, bien le surveiller. On va à l'entraînement et je le ramène safe. Donc c'était notre quotidien tous les lundis, mercredis, vendredis. Et pareil pour le match le week-end. Mère au foyer, qui nous a éduqués seuls. Donc elle a dédié sa vie à ses enfants. Aujourd'hui, bien sûr, je suis très très lié à cette région. C'est la région qui m'a vu grandir, j'ai beaucoup d'attaches là-bas. Et d'ailleurs, j'aimerais faire quelque chose dans cette ville-là. J'aimerais rendre un peu à cette ville ce qu'elle m'a donné. Donc, il y a pas mal de projets qui sont en cours. J'aimerais me rapprocher des écoles pour le côté éducatif et culturel. J'aimerais me rapprocher des associations sportives et vraiment œuvrer pour cette ville et devenir quelqu'un d'important pour cette ville. Ah. Où est-ce que vous êtes allé chercher ces photos? En tout cas, des très beaux souvenirs. Donc, l'ancien club d'Angoulême, anciennement AZAC, maintenant ACFC, avec une génération de folie sous les ordres de Monsieur Lilian Michaud, qui est un coach qui m'a énormément marqué, avec qui je suis toujours en contact. C'est mes potes d'enfance, Là, je vois Augustin, que j'ai vu il y a quelques semaines, Gabriel Pontalier, Fares, enfin, c'est mon enfance. Un club top, les parents me considéraient comme leur enfant. J'avais une vingtaine de parents, en réalité. Et Lilian, qui a regardé pas seulement le foot, il scrutait mes bulletins scolaires, il me punissait et il avait l'autorisation de ma mère pour le faire. Et puis occasionnellement, pour m'embêter, il me mettait du rock metal sur le chemin quand on allait en tournoi. Et j'avais la tête comme ça en sortant de la voiture. Donc, un très bon souvenir. Et à gauche, c'est le Tour FC. Tour FC, donc, comme j'ai dit précédemment, hein, un club qui a été important aussi, une ville qui a été importante. Je sais pas si vous voyez, mais j'avais une petite coupe afro à l'époque qui m'allait plutôt bien. Et en dessous de moi, c'est Adam Ounas, un joueur qui aujourd'hui est international algérien aussi, avec qui, je me rappelle, on faisait tous les stages en club pro pour essayer de trouver le meilleur centre de formation. Lui, il a fini à Bordeaux, j'ai fini à Monaco. Et puis pareil, on est toujours en contact. Et on va se retrouver normalement pour la Coupe d'Afrique dans les prochains mois. Donc, des très bons souvenirs. Bon, j'ai beaucoup bougé. J'ai habité à Nantes aussi, à Saint-Herblain. Donc, j'ai débuté en première année, mais bon, c'est pas vraiment du foot, hein, c'est tout le monde vers le ballon. Donc, j'ai joué là-bas. Et puis sinon, c'était le stade de la Grand-Fond à Angoulême. Stade dans la Grand-Fond, juste avant de signer à l'AZAC. C'était le stade qui était pas très loin de chez moi. On y allait entre potes, toujours avec mon petit frère, main dans la main. Et puis on passait des journées entières là-bas, des journées entières. Alors,
ouais, ça c'est mes débuts en pro qui viennent couronner une formation monégasque qui, je pense, a été rondement menée, on peut le dire, puisque j'ai toujours été capitaine, bien intégré, je me sentais bien, c'est ma deuxième maison. Hein. J'ai rencontré ma femme pendant la formation, donc chaque vacances je suis là-bas, je vois la belle famille, et là il y a mon ami Kevin Endoram qui était dans ma classe, qui était dans ma génération, avec qui j'ai joué, j'ai étudié, on a fait bac ensemble, donc non, grosse partie de ma vie à Monaco. Je suis limite autant monégasque que tourangeau maintenant. Et ça devait être un de mes premiers matchs titulaires en Ligue 1. Ouais. Ouais. Je me rappelle très bien, on avait gagné 2-1 ce jour-là. Donc, très très belle période. Si belle qu'on a même écrit un livre sur le centre de formation, Le coup d'envoi de nos rêves. Donc, c'est preuve que ça nous a vraiment marqué. En fait, on avait une génération à Monaco qui, pour le coup, a été extraordinaire, puisque souvent dans le foot, on a ce truc de s'aimer par rapport aux performances sportives, ce qui est un peu normal dans le monde du travail. On t'aime pour ce que tu fais et ce que tu produis. Mais pour le coup, à Monaco, on était vraiment une bande de potes. On a grandi ensemble et l'amour qu'on se porte, il est inconditionnel. Et donc, pratiquement tous les jours, on s'envoie des messages sur WhatsApp. Et un jour, sur un coup de tête, je dis, les gars, s'il y a un truc à faire, on se fait confiance, on le fait ensemble. Et de là, plein d'idées fusent jusqu'au moment où l'idée du livre fait le tour. Et tout le monde dit, ouais, pourquoi pas. Bah les gars, go, on se lance. Et on est au bout du projet. Il est en vente partout. C'est une fierté. C'est une fierté d'avoir écrit un livre. C'est une fierté d'avoir écrit un livre à plusieurs, avec des potes. Et à la fin, d'avoir un produit fini en vente dans toute la France et qui, au final, nous sort un peu de notre zone de confort qui est le rectangle vert. Donc, pour les amoureux du foot, ça se lit. Et pour ceux qui veulent juste avoir une belle histoire et une belle aventure humaine, ça se lit aussi très facilement. Depuis que je suis petit, j'ai l'habitude de bouger. J'ai habité dans beaucoup de villes et j'arrive facilement à m'adapter. Il s'avère que mon aventure monégasque ne s'est pas terminée comme j'aurais aimé, mais ça fait partie de la vie et du foot, donc il fallait que je rebondisse. Le club de Mayence m'a offert l'opportunité dont j'avais besoin à ce moment-là, donc j'ai foncé et ça s'est super bien passé. C'est super bien passé, j'ai passé une année extraordinaire où j'ai pu me montrer dans un championnat majeur et vraiment m'affirmer en tant que joueur professionnel cette fois et que j'ai pu confirmer que oui, j'avais le niveau pour jouer. Donc très positif, beaucoup d'expérience et à la suite de ça, c'est la cerise sur le gâteau, Dortmund qui toque à la porte. Et donc, un an après avoir quitté Monaco, je rebondis dans un club d'une envergure encore supérieure. Donc, c'était vraiment reculer pour mieux sauter. Et franchement, c'est une belle étape de ma carrière. J'en suis vraiment fier. Et voilà, là, j'avais pu retrouver la Ligue des Champions, le très haut niveau et jouer les matchs auxquels j'aspirais. Il y en a beaucoup. Je pense que pour un joueur, jouer à l'étranger, c'est hyper enrichissant. Je pense que c'est une étape qu'il faut avoir dans sa carrière. Le fait de changer d'environnement, de climat, d'apprendre une nouvelle langue, de nouvelles cultures, de voir d'autres têtes, d'autres façons de penser. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Après, dans le positif, je vais dire les stades. Les stades allemands, ils sont vraiment pleins à craquer. On joue l'après-midi, donc c'est hyper bon enfant. Il y a beaucoup de familles, beaucoup d'ambiance. Et franchement, partout où j'ai été, c'était full, c'était beau. Mon meilleur souvenir, c'est bizarre, mais il y a un tour élite en U17. Parce que j'ai fait toutes les catégories de U16 à Espoir. Et on a fait un tour élite en U16
avec la Belgique, l'Espagne et la Croatie. Donc, c'était trois très, très grosses équipes avec de très, très belles générations. Il y avait des joueurs comme Adama Traoré de Wolverhampton, Halilovic qui était allé au Barça, Pereira, Moussanda, enfin bref, un tournoi très, très dur, très, très relevé. On ne s'est même pas qualifié. Mais je me rappelle qu'en rentrant de ce tournoi, je m'étais dit, ah ouais, en fait, là, je suis avec des joueurs qui vont peut-être marquer le football. Donc, ça veut dire quelque chose. Et moi aussi, j'ai quelque chose à faire valoir. Et je peux y arriver. Ça a été vraiment un déclic dans ma tête, ce Tour Elite. Ouais. Donc, je dirais le Tour Elite en U17. Donc, depuis le mois de mars, j'ai eu le plaisir de rejoindre la sélection sénégalaise. Ouais, intégration réussie dans la tanière des Lions. Donc vraiment bel accueil. Je connaissais pas mal de joueurs déjà, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin beaucoup. Il y a une bonne partie de binationaux, et même les locaux pour la plupart jouent en Europe, donc on se connaissait de près ou de loin, on avait joué les uns contre les autres. Et j'avais l'appui de Tonton Gana Gueye pour m'intégrer au mieux. Ça a été chose faite. Donc non, vraiment, grosse fierté, très content de représenter mon pays d'origine. Et j'espère qu'on va faire de belles choses. Ouais, 2019, arrivé à Paris. Donc le fait que je joue moins à Monaco me permettait d'être... dans un relatif anonymat à Paris, donc j'ai pu arriver tranquillement au Royal Monceau, où j'étais tellement anonyme qu'on m'a même arrêté à l'entrée en me disant « mais qu'est-ce que vous venez faire dans cet hôtel ?» Et au final, j'ai dû me justifier que oui, je vais signer au PSG, machin. Et on a fini par me laisser passer, heureusement. Et j'ai signé le lendemain et j'ai pu m'adapter tranquillement, sereinement dans la capitale. La France, c'est un pays hyper centralisé sur Paris. À Paris, tu trouves tout. À Paris, il y a du monde. Et je dirais même, il y a le monde entier. Il y a des gens de tout horizon, toutes les origines, toutes les religions. C'est ça. Pour moi, Paris, c'est ce que ça m'évoque. Non, pas spécialement. J'ai pas spécialement de quartier préféré dans la capitale. Je suis un mec qui aime découvrir, donc j'ai jamais eu l'occasion de réellement visiter Paris avant d'y jouer. Et maintenant, le fait d'y habiter, ça me laisse un peu plus de temps pour découvrir la ville un peu plus en profondeur. Et Paris, ça regorge de surprises. Hein. Franchement, on s'en lasse pas. On a jamais fait le tour et non, c'est cool. C'est cool, Paris. En signant au PSG, c'était un grand step pour moi. C'était un grand step et ça me permettait de revenir en France par la très grande porte au final. Je l'avais quitté par la toute petite et je reviens par la très grande. Donc c'était beau, c'était grand, mais c'était que le début. C'était que le début de quelque chose et j'espère bien vraiment pouvoir gagner un maximum. Je suis quelqu'un d'ambitieux, le club l'est aussi, donc là-dessus on est raccord. Et non, c'est l'ambition, le beau jeu, le beau club, la belle ville, le beau maillot dans le short. Et ouais, c'est grand. Rêvons plus grand, c'est ça. Oui, je connaissais déjà pas mal de coéquipiers. J'avais joué en sélection de jeunes avec Kimpembe, etc. Gana Gueye, je le connaissais pas. Mais entre eux, Sénégalais, ça va vite. Je connaissais Kylian Mbappé, Lévin Kurzawa, avec qui j'ai été formé à Monaco. Donc ouais, je connaissais pas mal de monde. Et puis, j'ai pas du tout de difficulté à m'adapter, donc ça a été très, très, très rapide. Porter ce maillot, c'est une fierté. Hein. C'est une fierté... À la limite, c'est même pas quand je le porte, c'est quand je suis à table avec ma mère, c'est quand... Je sors avec des potes, c'est quand j'entends ma femme parler au téléphone avec des amis ou sa famille, et qu'à chaque fois, le fait de jouer au PSG, ça revient. Le fait que les gens sont contents de me voir dans ce club-là, ça revient. Je sais que c'est une fierté.
qui va me suivre jusqu'à même après ma carrière. Donc c'est un vrai vrai plaisir, un honneur de porter cette tunique et très content de pouvoir défendre ces couleurs. Merci à vous. Merci.